On va tout de même lancer un record parce que le match-up va être clairement intéressant. Négatif pour moi, mais à voir un peu les capacités du Jace. On va peut-être changer de playlist. Attendez, je vais mettre ma playlist un peu plus. Plus soft. Hop. Et du coup, ouais, le match-up est pour le Jace, mais à voir un peu si j'arrive à faire quelque chose face à lui. J'ai envie de m'entraîner sur le nouvel Aatrox parce qu'il subit encore un up pour que j'ai un patch sur le passif, tout ça. Même si ça reste très léger, c'est pas mal. Même il sera peut-être viable en jungle, on en avait parlé dernièrement dans un de mes derniers lives, pardon. Donc j'ai bien envie de me traîner sur le nouveau Aatrox. Enfin, il a gardé les mêmes sorts, mais c'est juste qu'il a plus les mêmes damage. Du coup, faut faire attention à ça. Ni la même tankiness, ce genre de choses. Quand une personne est time out sur le chat, il peut toujours regarder le chat. Oui, il peut juste pas écrire pendant un petit timing. C'est histoire de garder un chat soft, on va dire. C'est le plus important. Toshinou, merci beaucoup pour le resub. Sefi, please. Edicta aussi qui resub, c'est bon. Coucou, mon petit chou, salut. Donc ouais, là on a Kaylan avec nous, on a Fred qui s'est fait autofill. Chris Badman. Il est un petit peu déçu. Ça fait partie du jeu. Bon, moi je me retrouve pas à DC, moi je suis heureux. Donc ouais, le Jace, bon le problème c'est avec le poking. Clairement. Je pense que je vais me prendre full auto. Celui-là je pouvais pas le prendre comme CS. On va essayer d'avoir ce qu'on peut pour ça, un bouclier de Doran, tapis ninja et lame de Doran pour l'early game. Et dernier auto attack, voilà, Thunder, normal. Il va passer level 2 maintenant, enfin dans... Merde. Dans... CS. Oh merde, j'avais pas vu l'autre creep. J'ai perdu un sbire d'XP. Oh c'est dur ça. Parce que c'est normal de se faire deny en early game, hein. Comme j'ai dit, on est contre un range. Très mauvais, c'est très mauvais parce que normalement je devais passer level 2 et du coup je pouvais utiliser mon jump pour m'escape. Là j'ai rien pu mettre. Ah, du coup, à la limite, je vais prendre mon E histoire d'avoir quelques last hit à distance. Il a pas très bien farmé donc ça va, c'est jouable. Ok, bah voilà. Bon, ça je l'avais call par contre dans la champ select. Ils ont nameless, normalement on peut pas perdre. Nameless, c'est Monsieur Hint par excellence. Faut juste que j'attende, mon early game n'est pas fort. Mais sur un bon all-in, ça peut clairement faire le taf. Pour ça que je garde le believe. Quoi. Il a une lame de Doran, mais regardez, au final j'ai 16 CS, il en a 15 parce qu'il s'est juste focus sur les trades. Là je vais le all-in parce que j'ai mon passif. Oh purée, dommage, j'ai flash un tout petit peu late. Parce qu'avec mon passif on peut faire le taf. Bon, il a plus de flash, dommage. En fait, j'ai mis mon Z de façon défensive à un moment. J'aurais pas dû. Voilà, normalement le Lee Sin peut prendre le kill. Voilà, le Q qui touche. Il va tomber. Parfait. Voyez, on a juste été patient. Bon timing, on la go. Bon, j'ai claqué mon flash pour rien du coup. J'étais un peu late sur le flash en vrai. Vraiment, genre, c'était pas fameux. Voilà, il va TP. Donc, moi que ce Z en ce moment sur Aatrox. Je passe tout ce qu'il y a de mieux, mais en tout. Pour moi en tout cas ça marche. Pour moi c'est pas dégueu. Donc là armure d'étoffe. On va partir sur une BRK aussi rapidement. Mais là, pour l'instant je vais juste faire ça. Bon à la limite je vais prendre une longue sword. Je voulais prendre la lame de Doran. Mais je vais garder enfin je vais avoir la potion de la potion rechargeable. À la limite ça veut nous faire avoir le cèpe empirique plus rapidement. C'est pas forcément dégueu. Oh désolé Aziferol, j'ai pas vu le resub, attends. J'ai pas fait gaffe. Les bons petits 3 mois. T'as essayé d'écouter Temnosaur? Pas du tout. Vas-y, Refol, j'ai complètement oublié. J'avoue qu'avec la GA qui s'est passée là, j'ai complètement zappé.
de regarder un petit peu tout ce que vous m'aviez envoyé. Ouais, quand je suis focus, je regarde pas tout le temps le chat. J'ai vraiment envie de tryhard parce que là on a perdu énormément d'élo. J'ai envie de tryhard et en même temps de m'entraîner sur le nouvel Aatrox. Donc vous allez le voir assez régulièrement. Je pense que ça peut être un pic assez sympathique. Mon nice, la botlane se fait ouvrir, c'est parfait. On est très très bien, merci Juju pour le sub. Pour le sub. J'ai eu tellement de resubs ce matin. Mais qu'il est perdu. Et qu'est-ce que je raconte. Bon là bien sûr on va attendre le niveau 6 pour pouvoir le go. Ah, c'était pas ouf. En fait ce qui est pas ouf c'est que je claque mon passif. Du coup je peux avoir pas le all-in là sur cette wave. Pas vraiment le all-in. Faut que j'ai au moins à la limite 2 stacks, ça peut passer. Mais avant ça c'est un peu chaud. Mais là c'est bon. Là c'est bon, on peut régène. Et il le sait que je peux être en danger à ce moment là. Mettre un gros lit. J'ai un peu foiré. Il titanait sur Aatrox ou pas du tout? Non, généralement je vais partir BRK. Et couperai noir après pour avoir un petit peu de CDR aussi. Parce qu'au final, maintenant que tu te bases sur ton passif qu'il faut stack à 5, bah si tu spam tes sorts, tu peux l'avoir plus rapidement. Et bon, les dégâts sont pas dégueu. Bon, c'était nul. T'as juste reculé. C'était bien nul. En vrai. Le petit était useless. Ah ouais, j'ai vu. En fait, si je touche pas mon buff ni mon slow, bah je peux rien faire. C'est pour ça que la BRK va être pas mal pour ça, pour mettre un petit slow. En vrai, c'est pas grave, ça me coûte rien. Genre, l'ulti est pas un énorme CD. Donc, je vais l'avoir régulièrement. C'est pas un gros souci. C'est pas un ulti horrible à claquer pour même pour rien. On part là-dessus, les bots. Tabin Jane coming, à la limite, je peux même partir là, sur ça. Ce qui est bien, c'est que vu que j'arrive à push la lane, je vais me retrouver à garder ma TP pour une autre opportunité. Donc ça va. T'as ulti pour lui mettre la pression. On va dire ça, ouais. Clairement. Donc là voilà, on a notre sustain. Maintenant il nous manque notre petit sabre vicié pour mettre le slow. En tout cas ça fait plaisir, on a un Lee Sin qui est on fire. Leur jungle il est à 0-1. Il le joue pas. Ça me va. Vous voyez, j'ai déjà mon ulti qui va être up. Je vais juste pas du tout de la stit. Je vais pas use mon jump quand même au cas où. Il m'attend dans le bush. Non, ok, y'a pas de Gryas, donc il va pas faire une trappe. Ah merde, rip. Je vais peut-être plus TP, ouais. Je vais plus TP ici. Ah bah attends, merde, je suis con. Encore moyen. J'ai même pas l'assist. Je veux pas claquer mon ultimate pour ça, je vais pas KS, c'est vraiment débile. Ce qui peut être pas mal par contre. Ouais, quand j'ai vu le bum, je me suis dit, mais en fait, attends, j'ai peut-être moyen. Mais par contre, il y a clairement moyen de faire un dive à mon avis. Attends, je vais stack. Faut qu'on le fasse proprement. Oh non. Oh aïe aïe. Non, je vais pas mourir. Il a pas mis assez de stack. Mec, si c'est joué tellement rien. Ok, ça passe sans problème. TP Jace tellement late. Oh, il a cancel, tu m'étonnes. La Talia qui va défendre, parfait. Bon, c'était move un peu foireux mais ça s'est bien terminé. On pourrait dire ça.
À la limite, je veux de la mid lane en attendant. Ouais, il avait pas mis assez de stack le Twitch. Putain, mais quand j'ai vu le E de la Cassio qui m'a touché, j'étais en mode eh merde, je vais mourir. Ouch, par contre, le Isin. Ouais, il va peut-être pouvoir s'escape. Ouais, si, il joue bien. Il n'y a pas de flash en plus sur le Gargas. Mais il est chaud notre jungle. Alors, un truc que j'ai bien aimé sur le hub d'Atrox, c'est quand même le A. Il fait vachement mal. Avant, c'était vraiment juste un petit bump. Maintenant, il fait quand même beaucoup de dégâts. Pourquoi je suis pas en train de péter la tourelle mid? J'aurais dû. Ah, la mid, tu vois un peu plus. Peut-être tenter un dive en vrai. Ouais, pourquoi il est noir d'ici? Dommage. Oh, bah, il flash. Tu aurais cassé de son quai. C'est le flash judicieux. Est-ce qu'on va pouvoir s'escape? Normalement oui, il a une bonne mobilité. Et il va tenter le dive. Ça va être chaud en vrai. On va avoir du mal à... Ouais, bon chance hein. Je pouvais pas l'aider, j'avais pas mon passif. Et on prend de la tourelle top, ils sont 3. Ah, je voulais pas y aller, hein. J'allais juste mourir avec lui. On dit au revoir à Billy. On l'aimait bien. Ils ont eu la first tower quand même, c'est pas mal. Mais on a eu le Drake, c'est ok. J'ai pas encore cette dégâts. Je clean comme je veux. Ok, BRK dans 600 gold. Tout va bien. Qui te file. Ah d'accord, il y a juste un gars qui a... J'avais pas vu. Il y a 4-13, le mec il a 3-3, il est en mode great game boys. Bon, 5 Shifumi s'échappe. Non, c'est Kaelan. Bon là je vais juste faire un petit back. Et je vais avoir ma TP dans quelques secondes. C'est ouf que ça. Pour l'instant, elle a mis un bon ulti. J'aurais dû attendre que je tente en fait avec toi. Ah, je pouvais pas. Je voulais essayer de faire le bump, j'avais mon auto-attaque chargé donc je pouvais peut-être le tuer. C'était greedy, hein, clairement. Worst dive ever, ouais, clairement. Ils auraient dû attendre que je tank en fait avec mon passif plutôt que eux prennent tous les dégâts. We got the tower. Ouais, on a eu la tour, c'est vrai, on peut voir ça comme ça. Mais après, avec un avantage. Enfin, on avait vraiment l'avantage, donc bon, on aurait pas dû. Par contre, je vais garder le farming top parce que moi je farme pas beaucoup là dans cette game. C'était bizarre. Bonne journée à toi, Shannon. Bon, 7-15. Normalement, on est bien, mais c'est pas encore gagné. Faire gaffe, ils ont une bonne compo. On a pratiquement toutes les ressources sur le Lee Sin. Donc, faut faire attention. Fred, c'est pas un main AD, mais ça va, il sait jouer Cannon. Normalement, là-dessus, j'ai confiance. Il est bien dans la game. Je suis bien également. J'y crois. C'est vraiment le pire truc du net, ça. Je sais pas pourquoi je fais subir ces belles paroles. Le bon vocabulaire français. Mais merde quoi, je joue trop de CS. C'est un truc de ouf. Ils ont la... En fait, tant que j'ai pas mon passif, je vais pas essayer de jouer aggro. Je vais essayer juste de farm.
et attendre d'avoir ce qu'il me faut. C'est-à-dire mon passif. Parce que bon, déjà que le perso est squishy, alors si en plus je peux pas respawn, c'est la merde. Et aussi les Tabi Ninja, prochain back, I need that, même s'ils ont 3 damage magique. Sur la Cassio, ça peut faire mal en mid late game tout de même. Bon, attention que... Pas se faire catch maintenant. Sérieux? En fait, on grid trop. Hein. J'allais faire le héros de la faille. Je peux le faire. I can do it. Mais même s'ils ont du CC, en fait les mercures sont bien, mais les Tabi Ninja vont permettre de tanker les deux main damage de leur équipe. Et là Harry, j'aurai le visage spirituel. Je vais le faire, je m'en fous hein. Cela fait, ça va prendre si du temps longtemps. Mais on va le faire les gens. Juste pas que je perde tous mes points de vie. Merci Kaelan. Ça allait être long. Parfait. En plus le Jace commence à arriver. Ça aurait été la merde. Je pouvais pas y aller en fait. Si je faisais un jump, ça passait pas. Oh, dommage. Les deux ont flash sur ma gueule. Je pouvais pas me turn. Je pensais que j'aurais pu m'escape, mais clairement pas. On va prendre les trucs CDR. J'aurais juste dû courir en fait, plus je servais à rien là-dessus. Oh, yeah. Oh, c'est la débandade. Ils ont une bonne compo, hein. Bon, le Jace vient de récupérer 3 kills. Il était au fond, il a 3 kills. Il va avoir la tourelle top. Il y a moyen. Après, j'ai une TP. Soyons amis pour l'éternité. Il va lui tendre dessus. Parfait. Bien joué. Oh, il aurait pas dû. Il a juste die alors que j'aurais pu prendre le kill après. Merde. J'ai raté mon dernier retour. Non, c'est bon. Elle va pouvoir t'essayer, Billy. J'arrive. Écoute. Ah merde, la Italia a eu son ult. On l'a au bout d'un moment. La BRK qui était pas active, donc je pouvais pas le slow. Merci NDM pour le resub. Les deux ans, mon gars, genre insane. Et merci Mono aussi pour tes 6 mois. Le beau 2 ans, purée. C'est beau. Bon, ouais, clairement, focus. Parce que là, ça devient nimp. Compliqué cette game. En fait c'est parti en couille, on a totalement sous-estimé les adversaires, on se dit ouais c'est free win. C'est bien, ça met du challenge, faut se dire ça. En fait c'est pour ça que je pars sur l'étape ninja, parce que je vais jouer contre le Jace en speed push. Et là vu qu'il a récupéré 4 kills, on va devoir faire gaffe. Donc focus. Faut que je gagne des points. Non, j'aurais dû auto-attaque. Pas grand chose à faire. Je vais essayer de régénérer un peu avant. Là, il y a juste un one burst. J'ai pas encore le coup près noir, après ce sera visage spirituel évidemment. Oh la Talia qui se fait catch. Oh Fred, non mais les gars. Ok, y'a Lissine qui peut carry. Fred il a crit comme un gros porc. Ok Elan, non il est pas bien Kaelan. Ok, ça touche.
Ok, il va prendre le kill. Là, 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 mec, 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 aide-le, aide-le, aide-le. Ok, c'est bon. Il y a peut-être même moyen de prendre le kill en vrai. Non. Oui, oui, oui. Adieu, Kaelan, tu as été brave. Oh, Lee Sin aussi va mourir. Putain. Les gars. Oh man, cette game. Hey Harin, yeah, I'm playing Aatrox a bit now. I wanna play him to train the new one. Harin qui est le Aatrox. C'est le seul à le jouer encore en fait à top level. Ah ouais, y'a moyen. Ok. Cette game est une clown festa, mais pire. Ah, on est vu. Ouais. J'étais coincé dans le nage depuis tout à l'heure, genre. C'est un TNA game, bro. Ouais, Talia, faut se barrer. J'ai le coup prêt. putain. Elle a. Ouais, elle va mourir aussi. Le Nashor qui m'a démoli. Bon, il a mis 100 damage, bien sûr, évidemment. Les stats qui sont buggés. Je sais pas combien il m'a mis, mais il m'a mis tellement cher. Et vu qu'elle a mis son miasme, je pouvais pas me battre. En fait, je pouvais pas flash. Unlucky timing, un peu, ouais, quand même. Oh merde. Attends, si, y a peut-être moyen. Ça dépendait juste où ils allaient, mais ils ont pas l'air de venir. Oh, ils sont encore en train de. Sérieux par contre les gars, en vrai, genre... Ah quand même, on a pris qui. On reste up. Genre c'est chaud le manque de damage qu'on a quoi. Oh mec, la Cassio arrive et le tap. Même la Cassio au final elle fait mal hein. Ouais, il me faut ce visage spirituel hein. Genre les deux qui dépop là, la Cassio et la Harry, c'est un peu relou. Mais en fait, genre en vrai, dès que j'ai le visage spirituel, je pense que je pars mal Mortus. Et après, genre niveau armor, j'en aurai pas beaucoup, certes, mais j'aurai ce qu'il me faut pour tenir au moins le plus gros du burst, à mon avis. On pourrait partir là-dessus. Talia a 0 damage. Ouais, j'ai l'impression que la Talia elle est pas dans le game. Ouais, Marc Dubourreau, forcément. Si jamais il veut un V1, paraît logique. Le problème c'est que j'ai pas de passif là. Je sais pas comment on gagne ce fight. La full pénarme RML. Un peu magique. C'est juste de la zoner la Harry en fait. En fait on peut gagner le fight juste si je zone la Harry. La Harry joue pas, on gagne le fight. Lag. Ok. Le pire move. Oh non, je vais pas aller sur la Harry. Ok, good. Faut juste que je zone la Harry. Et on gagne le fight là-dessus. Et ma team a bien joué. Le Lee Sin a réussi à tuer la Cassio avant qu'elle puisse faire quoi que ce soit. What? Mais...
Let me split, I'm really strong. Je pense pas que ça soit une bonne idée. A mon avis, c'est pas une bonne idée. Ok. Donc là, on a nos 40% de CDR. On a bientôt le visage spirituel. Et après, Malmortus, je pense. En fait, le seul problème. Après, leur AD sont pas... leur AD est pas vraiment faite. Leur Jace est bien, par contre. On a deux Drake Inferno. Hein. C'est huge. Moi, je pense que le... enfin, Talia qui speed push, c'est pire idée ever, mais. Peut-être que je me trompe. Ça, c'est Slash Dance. La jette d'un coup un peu moins. Parfait. C'est tellement bizarre en même temps. Pourquoi j'ai jump? Sorry. Pourquoi j'ai jump? J'ai vu le grab passer, je me suis dit go et il a mis la QSS, j'étais déçu. Putain, le grab il est passé sur une unité invisible quoi, genre. Aïe aïe aïe. Oh la boulette que j'ai fait. J'aurais juste dû reculer et je me suis donné. En fait, dès qu'il a QSS, je. J'ai trop mal réagi, j'avais pas du tout vu. J'suis trop déçu. Faut essayer de faire le 666. Ça manque pas un peu d'AD ton stuff? BRK plus copré noir dans ces cas là. Si ça manque d'une somme de sang et d'une yeux, mais bon. De Twitch déçu, je te jure, il s'est pris un grab, mon gars, il a dû se faire un. Comment ça? Oui, ça. Ah, comment ça? Je pense que ça a pris une tête. Ok, visage spirituel down. Un peu pour Narnia, donc je fais ça. Kaelan, what the fuck? Il a eu envie. Il s'est dit, it's my time to shine. Je pouvais plus y aller. Altarias il est full armor lui. Même si je le bam, je le tue pas. Genre. J'attendais juste ma mort. Bon, du coup, ouais, il me faut de l'armor au final. La Malmortus suffira pas. En Randouin. Randouin sera pas mal. Elle est dure comme game. Elle est très dure. J'ai pas dit AS, j'ai dit j'ai pas dit AD, j'ai dit AS. Ok, ok. Mais non, au final, parce que l'AS sur Atrox, c'est ce qu'il a avec le passif. Attends, on va perdre cette game. On a ruiné, hein. Honnêtement, on a complètement sous-estimé les adversaires et maintenant ils nous chient dessus. Le top laner était derrière, leur bot lane était au fond. Il y avait leur mid laner qui était ok à 3-3, leur jungle était au fond. Et au final, on les a fait comeback gratuitement cette game. Parce qu'on est des mecs gentils, on est comme ça. Quand même peut-être prendre le kill là-dessus. Bienvenue à toi Lithiums, merci beaucoup pour le save. Nice, le bon petit grab par contre qui fait plaisir. Mais c'est pas perdu. Tant qu'on perd pas tous les inhibiteurs, je pense qu'on peut d'être. Si on en perd un, je pense que c'est jouable. Ah, j'ai dit Kaelan, tu as été brave. Son award est pas très bien, juste un tout petit peu après j'aurai une meilleure vision sur la map. Oh, y a pas du tout il pour le web. Un peu déçu. Je pensais qu'il y avait clairement moyen pour ma team de les choper, mais non. Oh, j'ai plus de canon qui les tue. Qui pète la tourelle. Fin de nib. En fait, le problème, c'est qu'on manque trop de follow-up sur mon bump. Là, j'ai bump les deux mecs squishy et genre, personne qui a follow quoi.
Du coup, moi je me fais one shot derrière parce qu'ils sont full damage. Genre la Harry est overfed donc c'est normal qu'elle me burst. Hein. Je suis pas un tank comme champion, je suis un hybride. Aïe aïe aïe. Pas de follow up, les amis. C'est quoi ce skin d'Atrox? C'est le dernier qui était en. Enfin, le dernier, ça fait quelques mois qu'il est. Même peut-être un an. Qu'il est dispo, mais bon. Ouais, y'a Twitch qui va arriver. J'ai pas mon passif. Ah non, Twitch il est mis. Fait le taf, hein, aussi. Le Twitch maintenant. Faut pas qu'on perde l'ini. Enfin, la base là. Juste. On a déjà perdu l'inhibiteur, donc je pense pas qu'il puisse y finir. Oh, le bump a failli passer. Ça aurait été beau. Mais en fait, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire, assiège la mid lane. Enfin, tant mieux pour nous, hein, on perd du temps. Non, ça push bot et top. Enfin, top et bot. Pas believe. Zéro follow-up aussi de ma part du coup. Tristesse. Perdre quelques CS au top. Bon, je pense pas qu'on puisse push. Mais le problème c'est que la Harry, même en ayant de la MR, genre j'ai quand même 100 d'MR, ce qui est pas haut dégueu je veux dire. Elle est vraiment trop bien dans cette game. Quoi. Elle me burst mais d'une force. Donc, si on peut avoir cette T1, c'est déjà ça. Désolé mon droit. C'est pas très très beau. Ouais, faut trop faire gaffe, Twitch. Pas de problème. Ok. Mais j'ai pas ta peluche. Bienvenue à toi, Sensa. Merci beaucoup. Pour ton sub. Bon, ils ont repêché les deux autres waves. Mais c'est bien, cette game, elle est cool. Même si on la perd, au pire elle est intéressante tout de même. Et on voit que même à top level, les gens aiment bien Ruin. En parlant de Ruin, wow, elle a 100 HP. En vrai, barre-toi, il y a Twitch qui va arriver, mec. Bon, s'il y a le Twitch, je serais très déçu parce qu'elle a géré son 1v1, mais là, bon, c'est un Twitch. Mais voilà. Moi, j'utilise plus mes sorts, faut que je reste à 5, enfin, 4 stacks. 4 stacks sur 5. Font peur là. Okay, là je suis juste clean, de toute manière, ils sont pas là pour fight. Oh c'est critique. Greedy c'était pas le mot, c'était même du suicide. My bad. Dommage. Je suis obligé de TP là-dessus parce que la base se fait ouvrir en deux secondes. Le problème c'est que même grave un Gragas. Oh c'est dommage quoi qu'il ait donné son corps. Ouais. Oh il a un point de vie. Oh dur. Il faut qu'ils survivent les deux. On perd déjà un nib là-dessus. C'est déjà assez dur. Oh merde. Ouais, il va peut-être finir la game. J'ai fait ce que j'ai pu honnêtement. T'as la Cassio, elle s'est devenue une vraie play. Hein. Ok, ils prennent un deuxième inhib. Et peut-être plus. Peut-être un H. Ok, pour l'instant ils le font pas, ils vont juste attendre que tout le monde respawn. Y'a qu'un inhibiteur de down pour l'instant. L'autre il respawn. T'as la game elle a. On a les 80 kills limite quoi.
Je ne sais pas si on va la gagner. J'ai comme qui dirait un doute. Non, j'aime pas du tout le GA sur le nouvel Aatrox. Parce que quand tu perds le GA, tu perds tout le proc du passif en fait. Parce qu'ils ont changé ça dans un des patchs, mais... la dernière fois, c'était bien dégueu. Le problème c'est que j'ai pas de TP, qu'il faut wave clear. Oh non, ils sont en train de fight, sérieux? C'est bien 4v4 au pire. No tari. Le problème c'est quand tu veux défendre ce Drake. Oh, la haute pause. Oh, il va pas mourir. Oh, c'est le poison. Non, ça va, il survit, il survit. T'as Talia, c'est deux fois que je dois voir avec un point de vie, mon gars. Let's raid. Bah, dépêchez-vous. Tellement late. Ah, j'ai une Cassio, il la prend, il faut en deux secondes l'objectif, c'est un problème. Ouais, c'est bon, déjà fini. Après, il y a l'ulti d'Alia pour bloquer, c'est pas idiot en vrai. Ok, bon, je juste rush. Il est mort. Attends, Nathalie, elle peut peut-être faire le taf. Coucou, ça fait un moment que je ne suis pas venu sur un T-Stream, toujours un plaisir. Du coup, j'ai pas suivi, t'as fini par trouver un appart. Alors, ça fait un petit moment, mais en fait, j'ai redéménagé. Mais on va voir, ouais. J'aime bien déménager, c'est un objectif dans ma vie, les déménagements. Est-ce qu'ils vont pouvoir défendre en fait, ça le truc? Parce que là, c'est quand même du 3v2. Elle quand même qui va pop dans 15 secondes, 15 secondes, c'est trop long en fait. On va pas pouvoir. Peut-être je vais partir. Enfin, si je peux. Kastinesque. Il reste une seconde pour qu'elle. Enfin, pour Fred. Ah oui, c'est. Ah oui! C'est le commando suicide. GG Wellplay. Bon, dommage. En vrai, on a ruine. Mais c'est intéressant en vrai le match-up. J'ai bien envie de retenter une autre fois. Le match-up Aatrox contre Jace, on a vu qu'on pouvait clairement gérer la lane en fait. L'early game était. L'early game était pas dégueu. Jusque là j'ai. Enfin, j'ai mal joué. On a tous mal joué dans notre équipe. On a tous troll à un moment donné. C'est bien dommage. Une game qui était pour ma part. Et bienvenue. Normalement, free win en tout cas de mon point de vue. Juste qu'on a donné trop de kills à des personnages à Snowball. Et avec une Cassio, même si elle était pas bien dans la game en early, bah, elle peut faire la diff. En tout cas. C'était une game intéressante. C'est une game intéressante. Et merci Sonalol pour le sub. Bienvenue. Ça fait plaisir. Bon, du coup, rune maîtrise vite fait quand même. Faut que je m'en fasse une nouvelle. Je vous montrerai peut-être. J'ai quelques idées contre les personnages AD. Encore à voir. Encore à tester, mais bon. Du coup, voilà. Des bisous YouTube. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux. Ça fait extrêmement plaisir. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.